Ichoma. Ichoma-o. Oui, chérie. S'il te plaît, viens. Mets-toi. Mets-toi là. Il y a quelque chose sur quoi je veux que nous puissions discuter. OK. Ichoma, je vais aller maintenant en ville. Hein? Laisse-moi aller là-bas et me battre comme un homme digne. Ichoma, regarde-moi, regarde-nous. Regarde cette parcelle. Hein? Rien n'arrive à marcher. Et on ne peut pas rester comme ça pour toujours. Laisse-moi aller là-bas en ville et me battre comme un homme digne. Et faire de l'argent. J'avais promis à ma mère sur son lit de maladie que je vais la rendre fière. Alors je vais sortir là-bas et me battre, comme les autres hommes. Même pour prendre soin de toi, nous avons besoin d'argent. Ebuka, j'ai compris. J'étais vraiment bien compris. Mais comment est-ce que tu vas t'en sortir là-bas? J'étais en train d'économiser. J'ai avec moi une petite somme d'argent. Ça pourrait m'aider encore pour quelques jours. Ebuka, tu vois, la vie en ville n'est pas si facile comme tu le penses. Ce n'est pas vraiment facile. D'ailleurs, tu ne connais personne là-bas en ville. J'ai un ami là-bas à Onitsha. Oui, c'est vrai, j'ai un ami là-bas à Onitsha et il peut encore me garder dans sa maison le temps que je puisse encore chercher quelque chose et que je puisse revenir ici. Mais pourquoi es-tu en train de dire ça? Hein? Regarde. Si je vais là-bas en ville, c'est pour que je puisse trouver de l'argent. Je ne vais pas pour les filles. Je vais là-bas pour nous deux. Ne fais-tu pas que j'aie d'argent? Et lorsque je vais revenir, je pourrai t'épouser. Es-tu Je t'ai dit sérieux? non. Je suis très Oui. contente. Alors laisse-moi partir là-bas et gagner de l'argent. C'est une très bonne Hein? idée. Laisse-moi aller faire de l'argent. Regarde, je ne peux même pas t'acheter de bons habits. Hein? Chaque jour, manger de la patate, manger du Hey! n'importe quoi. Parce que c'est juste ce que j'arrive à trouver pour toi. Là, si tu rentres, tu me donneras beaucoup de... Crois-moi, tu verras ce que je ferai. Ebuka m'a dit que il part en ville. De qui parles-tu? Mon propre Ebuka, Le non? seul que je connais. Mais qui va lui donner cet argent? J'ai dit que mon Ebuka part en ville. Et à son retour, il a dit qu'il va m'emmener beaucoup de choses, genre de lait, des beautés. Mon corps commencera à briller comme ça. Attends, attends, attends. Tu es sûr que s'il part à la cité, il ne va pas aller chercher ces belles demoiselles qui ont une belle taille? Tu es sûr de cela? Il ne va pas faire ce genre de choses. Je connais très bien mon Ebuka. Le seul qui avait gardé une femme pendant 4 jours, c'est de lui que tu parles? Arrête-moi ça. Mon Ebuka! Ebuka, lorsqu'il va revenir, peut-être que tu vas commencer à me suivre par derrière. Isioma, je te demande d'être relax. Ne t'emporte pas si vite, oh. Je n'ai rien compris. Pardon, sois calme, hein? Et tu ne le verras pas. Donc, Isioma, tu veux dire que tu continues toujours à avoir de l'amour pour ces vauriens, jusqu'au niveau où tu n'arrives même plus à vivre ta vie à cause de ce monsieur qui n'a même pas d'amour pour toi. Sérieusement, tu m'as beaucoup déçu. Kininka, s'il te plaît, ne me mets pas cette pression. Tu es la seule auprès de qui je peux dire tout ça. Ne me blâme pas d'être amoureuse d'une mauvaise personne. Kinika, toi et moi, on sait c'est quoi d'être amoureuse. Je prie juste que mon père retourne en sécurité, alors nous aurons des résultats meilleurs. Osée, je suis tellement désolée. Je ne voulais pas être si dure envers toi. Mais tout ce que je veux dire est que ce garçon ne te mérite pas. Tu mérites quelqu'un de mieux. Ce que tu dois faire, c'est te focaliser sur comment tu dois vivre maintenant. Kinika, tu sais que j'aime Obiadjulu. Je sais. Et je ne peux pas faire Je sais que autrement. tu l'aimes, je comprends. Mais il ne t'aime pas du tout. Ne le vois-tu pas? Laisse-le, s'il te plaît, ok? Dieu va prendre soin de toi. Et il t'enverra quelqu'un qui va très bien prendre soin de toi. Je l'espère aussi. Oui, je l'espère. Papa? Papa est Papa! retourné. Maman! Maman! Maman, papa est rentré. Hein? Papa, Papa, bienvenue. papa, C'est ton sois le papa? bienvenu. Hey!
Naï. Hello. Naï. Papa, bienvenue. C'est toi? C'est bien moi. Bienvenue. Hey, on s'inquiétait beaucoup pour toi. Hein? Pourquoi tout ce temps? Dis-moi un peu, mon mari. Hey, Dieu merci. Ce qui est important, c'est que Dieu merci que tu es revenu, vraiment. Hey, bienvenue, mon mari, hein? Les choses n'ont pas été faciles comme prévu. Hein? Otioma, oui, papa. Va me chercher de l'eau à boire. Emmène vite de l'eau, ma fille. De l'eau. Et après avoir pris de l'eau, il faut me trouver de l'eau pour me laver. Je me sens très fatigué. Pas de problème. Je dois me mettre. Mets-toi, mon mari. Hey, mets-toi. Hey, Seigneur. Hey! Yahweh, merci pour tout. Sois le bienvenu. Hey! Ma chérie, tu sais, ça fait assez longtemps que je n'ai jamais eu aussi faim. Peux-tu imaginer que ce que j'avais mangé hier, c'est ce que je continue à porter jusqu'à aujourd'hui? Je te dis. Naï, si tu veux que je t'ajoute, je vais le faire. Il y en a encore assez je dans te la dis, casserole. Même si je prends de l'eau. Hey. J'étais en train de me battre afin de m'assurer que je puisse libérer ma famille. Hey. Oui, oh c'est vraiment Dieu. Ça. Vraiment, oh. Naï, finis ta nourriture comme ça, tu vas me dire si c'est bon ou... Ou comment? Oh bien, quiz! Viens me donner à manger! Viens me donner à manger! Tu viens me donner la nourriture, hein? Viens me donner à manger! Viens me donner à manger! Maman Chinedu, pourquoi vous ne lui avez pas donné la nourriture? Non, je lui avais donné la nourriture. Il a déjà mangé il y a déjà quelques minutes. Va lui donner un peu de nourriture. Va l'ajouter un peu de nourriture. Hein? Ne t'inquiète pas, bientôt toutes ces choses vont finir. Nani, quand? Quand est-ce que tout ça va finir? Dis-moi. Je suis fatiguée. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut qu'on ait un peu de patience. Va lui donner un peu de nourriture. Je suis fatiguée de tout ça. Hey! Ah! Le défi majeur, c'est comment trouver de l'argent pour les objets demandés. Comment trouverai-je un caméléon enceinte? Et quatre veaux? Comment trouverai-je l'argent? Comment ferai-je pour trouver l'argent pour tous ces objets? Ou devrais-je demander à Ogodoima de... d'ajouter d'autres gens. Peut-être qu'il pourra trouver certains de ses amis qui peuvent être capables de donner de l'argent. Ozoma a suffisamment pleuré. J'en ai vu assez, alors assez de ses larmes. En tout cas, je n'en veux presque plus. Je ne veux plus de ces larmes, mais encore. Je ferai n'importe quoi pour m'assurer qu'elle soit libérée une fois pour toutes. Peu importe la chose à mon pouvoir, afin de m'assurer qu'elle soit bien portante et c'est pour de bon. Je dois faire ça. Kineka. Ozzy, où est-ce que tu vas comme ça? Tu as l'air si heureuse, qu'est-ce qu'il y a? Ozzy, devine quoi? Non, toi dis-moi. Devine juste. Tu sais que je ne suis pas bonne en devinette, dis-le-moi. Aimé, qu'elle m'appelle elle demande au mariage. Oh, sérieuse? Oui. Oh merci. Mon ami. Tu veux dire que tu veux oui, te marier? Yo. Je suis contente pour toi. Oh. Merci, merci. Est-ce que tu as rencontré ses non, parents? Non, ses parents sont déjà morts. Oh, désolée. J'ai peur de perdre un parent. Voilà pourquoi je prie toujours Dieu de protéger mes parents. Parce qu'ils ont beaucoup fait pour moi. Amen. T'inquiète, rien n'arrivera à tes parents, ok? Amen. Je suis si contente. Merci.
Je suis si contente pour toi. Merci. Je suis vraiment si contente pour toi. Comment Dieu ne peut pas te bénir? Tu es la sœur que je n'ai jamais eue. Et je serai toujours là pour toi. Merci. Je vais vite au marché parce que maman m'attend là-bas. Hey, t'inquiète. Je te verrai plus tard les soirs. Hein? D'accord. Oui, papa. Ok, comment ça va? Je vais très bien, papa. J'espère que tout va bien. Oui, tout va bien, papa. Est-ce que Uzoma est là? Non, Uzoma est sorti avec sa mère. Mais je ne pense pas qu'elle va encore entraîner. Tu peux te mettre, assieds-toi. Ok, mais j'étais quand même venu voir comment elle se sent maintenant. Il n'y a pas de problème, alors oui, je peux quand même patienter. Bienvenue à toi, fille. Merci, papa. Oui, en tout cas, un peu de patience parce qu'elles ne vont plus durer. Parce qu'elles sont parties déjà depuis longtemps. Et je crois qu'elles sont déjà en route parce qu'elles sont parties il y a déjà un moment. Ok. Okay. C'est ça. Ok, comment évoluent tes affaires? Papa, on continue toujours de se débrouiller. On essaye de faire notre mieux. À moins que tu sois là en train de les attendre. Présentement, je me prépare de quitter ces villages pour aller en ville. C'est vraiment ce que je compte faire. Hein? Es-tu sérieux? Ah, oui? Intéressant. mais tu sais que quand tu m'as dit que tu étais dans la chasse, je n'étais pas vraiment à l'aise. Mais je n'avais pas de choix. Je ne pouvais que t'encourager. Parce que la vie, elle est compliquée. Oui. Hein, oui. Parce que j'étais en train de me demander comment est-ce possible un gars très joli comme toi peut s'exercer dans la chasse parce que au lieu d'aller en ville et d'apprendre de grandes choses au lieu de rester au village pour combattre les animaux. On essaye de vivre avec ça parce qu'il n'y a rien d'autre que je puisse faire. Hein? Oui, c'est une très sage décision que tu as prise. Merci, papa. Oui, je te souhaite merci, toutes les bonnes papa. Choses. Oui. Alors, bienvenue. Merci, papa. Bon, qu'est-ce que je peux t'offrir? Tu prends du papa? Vin? Non, papa, s'il te plaît, ne te tracasse pas. Hein? C'est aussi ma maison ici. Alors, c'est pas grave. Ne te dérange pas. Là, tu as raison. Je me sens à l'aise ici. Tu es ici? Tu es là? Je sais que c'est difficile pour toi de faire beaucoup d'argent. Mais j'étais capable de faire 100 000 naira. C'est ça ici. 100 000 naira? Ma chérie. Merci énormément. Merci. En tout cas, tu as fait que je puisse avoir la paix dans mes pensées. Dis-moi un peu. Comment as-tu fait pour pouvoir rassembler cette somme? J'avais vendu toutes mes pièces hollandaises. D'ailleurs, je serais très stupide si seulement je gardais ces pièces à la maison et que mes enfants soient toujours malades. Ma chérie, je t'aime énormément. Aucun jour je n'avais oublié ce que tu as fait. Mon amour, tu n'as pas à me remercier. D'après tout, nous vivons ensemble. Laisse-moi aller préparer quelque chose pour notre dîner. Ok. Merci énormément. Ah.
Je l'ai déçu. Ouais, j'ai déçu Osama. J'ai promis de l'aimer et de la soutenir. Je n'avais jamais su que les choses allaient devenir ainsi. J'ai traversé beaucoup de choses dans les mains de beaucoup de filles. Mais quand je l'ai rencontrée, ma vie a changé. Elle était la seule fille qui m'a véritablement aimé quand je n'avais rien. Oh mon Dieu! Obiajuru, mon amour. Bienvenue. Qu'est-ce que tu veux? Je n'achète pas quelque chose. Oh. J'ai pas compris. Ne vois-tu pas les filles comme nous dans ce village? Mais tu sais que je suis amoureux d'Osioma. Est-elle meilleure que nous? Aussi longtemps que je suis concernée, Osioma est la seule femme qui existe dans cette ville. Oublie cette fille. Tu sais que je t'aime. Oublie cette fille, s'il te plaît. Oh, mon amour. S'il te plaît, arrête. Je ne veux pas que ma chérie Osioma vienne ici et nous voit dans cette situation. Je ne veux pas qu'elle se sente mal. Laisse-la. Laisse cette fille tranquille. Oh, oublie-la. Mais sois flexible, non? Hein? Ne vois-tu pas comment je suis belle? S'il te plaît, vas-tu arrêter cette folie? Je ne l'aime pas. Allez, va-t'en. Va-t'en, va que je te pousse. Es-tu en train de me chasser? Va-t'en. Mais s'il te plaît. N'importe quoi. Tu m'as rendu jalouse de la manière dont tu étais en train de regarder l'autre fille là. Tu sais que je t'aime beaucoup et je n'ai pas besoin de te perdre. Ah, chérie, je ne veux voir aucune femme à tes côtés. Chérie, écoute. T'as pas besoin d'être jalouse. Tu m'entends? Quant à moi. Est-ce que tu vas bien? S'il te plaît, donne-moi une boisson. Rachid. Une boisson. Donne-moi, s'il te plaît, le coca. Le coca. Donne-moi le coca, le coca, le coca. Tu traînes, hein? S'il te plaît, c'est ce que j'ai pour le moment. Prends, prends. Et quand est-ce que tu vas venir aujourd'hui? Venir où? Où est-ce que tu veux que je vienne? Toi avec ton bébé, tu veux toujours être avec comme si j'étais son garde du corps. Tu n'as encore rien vu, oh. Essaye aussi de penser à autre chose, hein. Moi je m'en vais déjà. Mais regarde, ne pense pas seulement à ta femme. Je n'irai nulle part. Écoute, il n'y a rien qui puisse me faire déplacer d'ici. Là, ce sont des bruits. Quand mon amour est là, mon amour, je serai toujours là pour toi, ok? Ok chérie, laisse-moi boire, non? Laisse, non, laisse. Toi tiens ça. Osim, je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime. J'attends une chose de toi, non? Quoi? Dis-moi aussi que tu m'aimes. Je t'aime, je t'aime, je t'aime et je t'aime beaucoup. Mais tu aurais dû me dire que tu m'aimais plus que mon père. Chérie, je t'aime plus que ma vie. Vraiment? Mm-hmm. Plus que ta vie? Oui. Viens un peu. Je t'aime plus que toute autre chose. Encore? Ok. Bébé, que je n'emporte encore? Non. Obiajuru. Obiajuru, je vais acheter quelque chose. Qu'est-ce que tu veux acheter? Je vais acheter Chin Chin. Tu veux acheter une amuse-gueule? Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, je te l'apporte. Toi, quitte d'abord ici et va-t'en. Obiajuru, c'est non, ce que tu as l'habitude non, de non, faire? Non, calme-toi, s'il te plaît, je vais l'expliquer. Tu veux expliquer quoi? Tu l'as permis de s'asseoir sous tes c'est genoux, une fille même qui, devant moi. Je suis désolé, mais c'est pas ce que tu penses. Tu... Arrête de me dire ça. Je n'ai rien à faire avec elle. Pardon, laisse-moi. Obi, Obi, Obi.
Ozzy, s'il te plaît. Laisse-moi. Ozzy, s'il te plaît. Je vais m'expliquer. Je t'en prie. Je vais m'expliquer, s'il te plaît. C'est pas ce que tu penses. Écoute, la fille là et d'autres filles viennent dans ma boutique pour me déranger, mais c'est toi que j'ai choisi, je t'en prie. Isioma, regarde, je jure ma vie. Je n'ai rien à faire avec cette fille ou avec d'autres filles dans ce village. Tu es sûr que tu n'as rien à faire avec cette fille? Aussi, écoute, je ne vais jamais avoir une affaire avec cette fille ou avec d'autres filles dans ce village. C'est toi seul que j'aime, pardon. Tu sais que je t'aime beaucoup et je ne veux pas te perdre. C'est bon, non? Lève-toi. C'est bon, non? C'est à cause de ça que tu as quitté ma boutique. Chérie, s'il te plaît, lève-toi. C'est bon. Je t'aime. Chérie, qu'est-ce qui se passe avec ton téléphone? J'ai essayé de t'appeler, mais ton téléphone ne passait pas. Je ne savais même pas que mon téléphone n'est pas allumé. La batterie du téléphone est même abîmée. Bon, peu importe. Je retourne à l'université demain. Je ne pouvais pas aller sans pour autant passer te voir. Ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Chérie, ça va? Tu n'as pas l'air bien. Quelque chose te dérange? Comment puis-je aller bien quand la plupart de mes semblables réussissent bien en ville et moi je suis dans ce village? Je sais que j'ai réussi bien dans ce village avant que ma boutique ne soit brûlée. Mais maintenant, je ne peux même pas acheter une carte de recharge. Une simple carte de recharge. Chai! Chérie, je comprends tes ressentiments. Je te comprends exactement, mais juste essaye de te fixer. Tout ira pour le mieux, ok? La chute d'un homme n'a toujours pas été sa finalité. Merci beaucoup. Prends cet argent. Non. Juste essaye de te faire avec. Non, je peux pas. Chérie, arrête s'il te plaît, prends cet argent. Juste essaye de faire avec, ok? Mais tu peux pas me donner de l'argent tout le temps. Chaque fois que tes parents te donnent de l'argent, tu le partagerais et me donnerais une partie. J'ai même honte de moi-même. Je vois que j'ai échoué en tant que ton petit ami. Arrêtez. Ouais, j'ai échoué en tant que ton petit ami. Arrête. Dans la vie, elle est haut et elle est bas. Et c'est quoi l'essence de l'amitié si on n'arrive pas à s'entraider? Écoute, aujourd'hui, c'est moi qui suis en train de t'aider. Un jour, ça sera pareil. Juste essaie de faire avec cet argent. Je rentrerai bientôt. Tout ira bien, ok? Obim. Merci beaucoup. Je te dois assez dans cette vie. Je te promets de te soutenir dans toute situation. Ouais, je te promets ça. Et je promets aussi de faire de toi la femme la plus heureuse sur la terre. Mmh. C'est ma promesse. J'ai déçu mon Osioma. Ouais, je l'ai déçu. Obiajuru. Tu n'as pas l'air contente. N'es-tu pas content pour ton voyage? Je le suis. C'est tout ce que tu as eu à chercher toute ta vie. Et maintenant, c'est arrivé. Et tu n'es pas content. Pourquoi? Sœur, tu sais que c'est ce que j'ai toujours cherché depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui. Et tu sais que je suis heureux. Mais... Mais quoi, Obiajulu? Osioma. J'ai déçu Osioma. Sœur, tu sais qu'Osioma est une bonne personne. Elle m'a soutenu pendant tout ce temps. Alors, comment voyagerais-je sans voir Osioma? Obiajulu, je sais que Osioma est une très bonne fille. Merci. Pour le moment, je veux que tu oublies toute chose sur Osioma et que tu te concentres sur ton voyage. Sœur. Attends. Est-ce que tu réalises que cette fille est vraiment maudite? Et
Sais-tu que la folie est dans leur famille? Ouais, je le sais. Hein, tu le sais? Et tu penses toujours à elle? Hein? Et si tu penses qu'il a fait tant de choses pour toi, pourquoi ne pas te concentrer à aller à l'étranger, faire beaucoup d'argent, revenir et payer sa dette? Et tu chercheras une autre belle fille dans ce village pour épouser. Mais pour épouser Ozioma, je l'accepterai jamais. Jamais! Sœur, comment peux-tu dire ça? Toi et moi savons que cette fille a été gentille envers moi. Alors pourquoi veux-tu que j'oublie Ozioma maintenant? Pourquoi? C'est pas parce que papa et maman ne sont plus en vie que tu dois emmener la folie dans cette maison. Jamais! Je ne l'accepterai pas! Je refuse! Sache bien que tu es ma sœur et non ma mère. Et tu n'as aucun droit de décider pour moi qui épouser et qui ne pas épouser. Tu m'as entendu? Oh bien, Jolou, j'ai tous les droits de te dire qui tu dois épouser et pas. Hein? Pourquoi te prends-tu comme ça? Qu'est-ce qui te prend? Tu vas emmener une folle de cette maison? C'est quoi ça avec toi? Jamais! Tu ne vas... Oh bien, Jolou! Oh bien, Jolou! Où es-tu? Reviens ici! Ozi! Oziama! Maman, bonjour. Et toi, monsieur, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Maman, si elle peut présenter mes excuses à Ozioma et à toi aussi. Je suis très désolé. Oh, tu es ici pour te moquer de ma fille? Non, maman. Écoute-moi, Obiadjulu, ou peu importe ce qu'on t'appelle, sors de chez moi, maintenant. Ozioma est toujours folle. Hmm? Tu reviendras avec tes excuses lorsqu'elle sera normale. Mais maman, du moins, permets-moi de voir Ozioma. Je sais que j'ai pas été juste envers elle. Mais permets-moi de la voir pour lui présenter mes excuses. Ok, laisse-moi l'appeler pour toi. Merci beaucoup, maman. Merci. Ozi, ma chérie. Ah, tu m'as manqué. Idiot! Oh! Que la foudre s'abatte sur toi! Essaie encore de revenir ici! Tu es venu voir Ozioma. Veux-tu te moquer de ses ancêtres? Espèce d'imbécile! Tu n'as même pas en toi! Sors de chez moi! Idiot! Tu es venu voir Ozioma. Tu n'as même pas honte, hein? Espèce d'insensé. Tu n'es vraiment qu'un imbécile, toi. N'importe quoi. Thank you.
Ikenna! Ikenna, viens manger, non? Ozi! Oh, oh mon Dieu! Ozioma! Ozi! Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Qu'est-ce qu'il y a? Bien ici! Je suis en train de préparer les riz pour mon Ozioma! 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 Hey! Hey! Tu n'es pas, mon Dieu! Je suis béni, moi! Je le savais! Hey, ma fille! Hey, Ozioma! Ozioma! Je savais qu'on allait en arriver ici. Mon Dieu, oh, je suis fini. Je fais de mon mieux. C'est encore. Pourquoi? J'avais contribué ma part à ce sacrifice. J'avais fait tout possible à mon pouvoir. Obialo a retardé toutes ces choses. Obialo est vraiment la cause de tout ce qui nous arrive. Seigneur, j'ai contribué à la grande part de tout ce que je pouvais donner. Ozio, s'il te plaît. Ozio, calme-toi. Je vais manger. Ozio, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Je vais manger. Pourquoi seulement nous? Ozio, ma fille, mon Dieu. Oh, bien, lui, à la base de cette situation. Vas-y, finis-moi, Oh, Seigneur, Oh, bien, l'eau. Isioma, s'il te plaît. Biko, ma fille, s'il te plaît. Osio, s'il te plaît, Ne fais pas ça, ma fille. Osio, Seigneur. Pourquoi devrais-je souffrir pour quelque chose dont je ne connais pas la source? Pourquoi? Quel genre de vie est celle-ci? Les péchés qu'ont commis nos grands-parents devaient rester avec eux, pas nous. Non. Non, c'est pas bien cette chose. Obiano doit donner cet argent. Il doit donner cet argent. Et il doit générer cet argent. Pour que nous puissions partir chez Bocha demain. Plus ça traîne, les pires vont nous arriver. Je vais vraiment faire de mon mieux pour prendre cet argent sur bien aujourd'hui. Je m'en fous de toutes ces façons où il va gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, il va donner cet argent. Non, mais j'ai déjà suffisamment contribué. Et c'est depuis longtemps. Il doit donner cet argent. Pourquoi il retarde les choses? En tout cas, je dois aller leur donner cet argent. Pour que je reste aussi en paix. Et du moins, je vais finalement me reposer. De toute ma vie, je n'ai jamais connu la paix. Aujourd'hui, avant le coucher du soleil. Avant le coucher du soleil, je dois aller leur donner cet argent. Obenchuku, mais pourquoi est-ce que tu t'empresses comme ça? Obiema, j'étais en train de partir chez toi. Oui, en tout cas, c'était pour prendre cet argent-là, parce que ça cause déjà des problèmes. Pendant que nous sommes en train de parler, les conditions de ma fille sont pires. Oh là là. Et c'est cette situation à recommencer. D'ailleurs, j'étais en route vers ta maison avant que nous puissions nous croiser ici. C'était pour te donner l'argent. Tu as l'argent avec toi, là? Oui. Donne-moi. En tout cas, on n'a pas du temps à perdre. Nous devons aller très rapidement. Et demain matin, nous devons être chez Obocha. Ok. D'accord. Oui, vite.
Ça, c'est pour Ikena, mon frère. Et ça, c'est pour maman. Et voilà pour moi. Avec une fleur. Et regarde ma voiture. Et regarde mon riz. Oh, Zioma. Oh, Zioma, qu'est-ce qui s'est encore passé? Non, je suis en train de construire une maison pour toi. C'est bon, merci, viens, d'accord. Suis-moi, suis-moi. Ok. Viens, viens vite, non. Viens, parce que ça, c'est pour Ebuka. Et cette maison est la tienne. Wow, c'est beau. J'aime ça. Ça. Et je te mets avec ma voiture. Osée, s'il te plaît, écoute. Écoute-moi très bien, ma chérie. Mm-hmm. Tu es devenue très sale. Alors, suis-moi, je vais te mettre de l'eau pour que tu te laves. Hein? Je veux bien. Non, je non, suis pas je sais que tu es bien, je le sais. Propre. Nous partons à Londres, à Londres. Hein? Oui, tu pars je vais à Londres. À Londres. D'accord, lève-toi d'abord. Laisse-moi d'abord. Qu'on va retenir, lève-toi d'abord, ma chérie. Préparer les riz. Viens, tu veux c'est les riz que je prépare. Viens vite, non lève-toi, lève-toi, ma chérie. Viens. Je ne veux pas laisser ma maison seule. Oh, ça va. Lève d'abord, quand tu vas revenir. D'accord. Oh, c'est bon. On part dans la maison des Obiadjou. Viens avec moi, ma chérie, je sais. Allons d'abord. On part maintenant, non? Oui. D'accord. Oh, viens, 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 viens. Viens, suis-moi. Suis-moi, ma chérie. Waouh. Ma maison. Ma maison. Oh, Ozzy. Une bonne fille. T'es gentil, hein? Grand maître, ils ont tout fait, tout ce que tu leur avais demandé. Accepte leur sacrifice et donne à leur famille la paix. Ici. Ici. Oya du ma! Oya du ma! Oku iwa ta le wodo wodo malani. Okwa kibo mekido yene, mekido yene, wolo yene, mekido yene. Votre sacrifice a été accepté. Oui, c'est... Merci au Dieu. Il n'y aura plus d'affliction. Ici. Allez et savourez votre liberté.
Finalement. Ça, c'est très bien. Finalement. Ginédou, pourquoi tu te fais ça? Tu devais te réjouir, tu es ici en train de pleurer tout le jour. Maman, dites-moi pourquoi je ne dois pas pleurer. Hein? Dites-moi pourquoi est-ce que je ne dois pas pleurer. Regardez mes mains et mes jambes, maman. Ça n'a pas une bonne couleur. Tout ça juste à cause de bêtises qui se passent en famille. Un fou pendant 6 ans. C'est spontané, maman. Tu sais pourquoi je me suis battu durant toute ma vie. Tu sais pourquoi j'ai donné toute mon énergie. Non, fait qu'être foutu en l'air. Qu'est-ce que je continue à faire ici, maman? Dis-moi un peu. Qu'est-ce que je fais ici? Je me rappelle encore à comment je me démenais pour continuer ma carrière à l'étranger. Dis-moi, maman, je n'ai même pas été capable de réaliser quelque chose. Ne devrais-je pas vraiment pleurer? Mon fils, tu as toutes les raisons pour te réjouir. En effet, tu dois te réjouir parce que tu peux bien raconter cette histoire. Je crois que tu as encore cette opportunité de le refaire. Connais-tu Ikena, le fils de Maze Ochokoso? Il n'est plus en vie. Et je crois que tout ce que tu as raté toutes ces années, tu pourras toujours les rattraper. Ça suffit, mon fils. Ginédou, mon fils. Oui, papa. Ta mère a déjà tout dit. Et il n'y a pas d'importance que je puisse rappeler tout ce qu'elle a dit. Mais une chose que je veux que tu puisses comprendre dans cette vie, c'est que tu dois apprendre à accepter les choses que tu ne peux pas changer. Et sois reconnaissant à Dieu. D'accord, merci, papa. Ok, merci. Sois fort. Tu dois être heureux. Parce que tu es en vie. Ça suffit. Ne pleure plus. Hein? Nous partons à un deuil. Ta nourriture est dans la cuisine. Dès que tu auras faim, tu pourras manger. S'il te plaît, je veux que tu sois heureux pour moi. Tu vas le faire. T'inquiète. Ok? D'accord, maman. Nous sommes partis. D'accord. Mon fils, hein? Prends très bien soin de toi. Sois fort, s'il te plaît. Tu es un homme. Hein? Allez, au revoir. Ozzy. Papa, tu es rentré? Oui, je suis de retour. Bienvenue, papa. C'est bien. Alors, est-ce que tout va bien? Oui, papa, je vais très bien. Tu es vraiment sûr que ça va? Oui, papa. Ah, ça c'est bien, ok. Mais papa, je voulais te remercier d'être toujours là pour moi. Tu t'es battu pour ma cause et merci pour les risques que tu as pris. Pour que je sois en bonne santé. Merci, papa. Ma fille, remercie Dieu. Qui est-ce que je soutiendrai si ce n'est pas toi? De qui viendrai-je en aide si ce n'est pas toi? Tu es mon unique espoir. Papa, tu es le meilleur. Merci. Merci pour tout ce viens, que tu as fait. Viens, c'est bon. Bienvenue. Merci beaucoup. Ozoma. Hey, Ebuka. Hein? Hey, Osomao. Bienvenue. Oh. Papa. Regarde maintenant comment tu es belle. Papa. Hein?
Papa est venu. Oui, oh. Oui. Papa, comment je tu vais vas? Bien, papa. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Ah, c'est papa, bien. Tu parais si beau. Ah non, mais vraiment. Je me porte très bien. Bienvenue, mon merci, fils. Papa. Merci, papa. Merci. Ma fille, bon, assure-toi que tu le mettes à l'aise. Moi, okay. Je dois merci. M'occuper des autres choses. Bon, merci, merci, c'est merci. Trop bien. C'est trop bien. Ah, merci, merci, papa. Hey, bienvenue, Ebuka. Osoma, hey, vraiment, tu parais maintenant. Waouh, hein? Regarde-toi vraiment. Asseyons-nous d'abord, s'il te plaît. Asseyons-nous un peu. Dis-moi, qu'est-ce que je peux t'offrir? Je n'ai pas besoin de ça. Ici, c'est ma seconde maison. Et juste te voir, ça me suffit déjà. Tu es sûr? Oui, oui. Oh, tu as l'air très bien. Je suis très content de te voir. Hey! Bienvenue. Tu es très, très belle. Mmh. Osoma. Hey, je suis si content de t'avoir vue. Bienvenue, je suis aussi content de te voir. Oui, 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 oui. Ebuka. Mmh? Merci beaucoup de tout ce que tu as fait pour moi. Tout ce que j'avais fait pour toi, c'était de l'amour et de l'affection que j'ai pour toi. Hmm? C'est parce que je t'aime. Et je m'inquiète énormément pour toi. Présentement, j'étais en train de chercher une opportunité pour le dire. Et maintenant que je l'ai, je dois libérer mon esprit. Je t'aime énormément, Osoma. Et je m'inquiète aussi assez pour toi. Ebuka, hmm? Je ne partage pas les mêmes sentiments que toi. C'est juste que je me sens très confortable quand tu es là. Comme si tu étais mon frère. Mais je ne suis pas ton frère. Ni moi, tu es ma sœur. Nous n'avons aucun lien de parenté. Je suis Diziama et tu es Dumuza. Nous n'avons aucun lien de parenté. Arrête de m'appeler ton frère. S'il te plaît, je ne le suis pas. Mais c'est comme ça que je ressens. Ce n'est pas ce que moi je ressens. Tout ce que je ressens pour toi, c'est de l'amour. De l'affection. Et je ne peux pas le retenir. Papa, tu ne vas absolument rien prendre. Non, 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 je vais bien, non, je vais bien. Va lui faire quelque chose à manger. Va faire okay. Quelque chose à manger pour lui. Merci, papa. Ah, oui. Merci, papa. Et... Papa, comment vous allez? Alors, assure-toi de ne pas traîner. Ok, en tout cas, je ne voudrais pas perdre du temps. Je voudrais vraiment te remercier pour tout ce que tu as fait à cette famille, surtout ma fille. Papa, c'est rien. Ce n'est rien que je puisse montrer de l'amour et de l'affection à cette famille. Hmm? Je suis aussi presque membre de cette famille de toutes les façons. Oui, merci papa. Merci beaucoup. Je vous en prie papa. Comment la vie à la cité? Comment est-ce que vous vous débrouillez? La vie va mieux à la ville papa. Tout en tout cas va bien et actuellement je suis dans l'importation de vin étranger. Ah, du vin? Oui, et ça avance super bien. Ah oui, oui, en tout cas, ça doit évoluer bien parce que une fois j'ai dû goûter le vin étranger. C'est vraiment différent de nos vins locaux. Tu t'es vrai, tu t'es vrai. Là, c'est le vin étranger et l'autre, c'est le vin local. Il le produit juste derrière la parcelle. Ok, bienvenue. Oui, merci, mon papa. Mon fils. Oui, papa. Je voudrais te demander. Qu'en est-il de ton papa? Voyez, je me suis décidé de vous les demander aujourd'hui parce que j'avais envisagé aller lui rendre visite pour lui remercier d'avoir mis au monde un garçon si généreux et intelligent comme toi. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, papa. Vous savez, papa, grandir... Ma mère m'avait dit que lorsqu'elle était enceinte de moi, mon père l'avait abandonnée et elle était restée toute seule. Je n'ai grandi qu'en connaissant que ma mère. La seule chose que je peux me rappeler assez bien, c'est qu'elle me disait que j'ai une même empreinte, une marque avec mon père, à la même place. Et la voici. Et c'est depuis là, j'ai développé une si grande haine envers lui. Je le hais avec une si grande passion. Avec une si grande passion. D'accord. Tu as dit que tu es de 16e mois déjà. Oui. Bien,
Quel est le nom de ta mère? Obiegeli Obika. Hey! Qu'est-ce qu'il y a, papa? Hey! Papa! Est-ce que vous connaissez ma mère? Pourquoi papa, tu es en train de crier? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi papa a crié comme je ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Papa, tu vas bien? Mais dis-moi, papa, non, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je suis aussi surpris comme tu l'es. Papa, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Bouka, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Ebuka, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Hey! Mais Ebuka, dites-moi. Je t'ai déjà dit que je ne sais pas. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, je ne peux pas croire en cela. Je ne peux pas y croire. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Mais pourquoi papa a crié comme ça quand Ebuka était ici? Ozoma. Ozoma, viens. Papa. Papa, est-ce que tout va bien? Nous devons aller chez Ebuka immédiatement. Papa, mais qu'allons-nous faire là-bas? Ne t'en fais pas. Papa, je ne te comprends pas. Ta réaction de tout à l'heure quand Ebuka était ici. Et maintenant, tu me demandes qu'on puisse partir chez Ebuka. Ozioma, s'il te plaît. Ozioma, s'il te plaît. Ne t'en fais pas. Quand nous serons là-bas, tu entendras tout ce que tu veux entendre. Et... Ah oui, ne t'en fais pas. On s'en va. Laisse ces histoires. Hein. Papa, rassure-toi. Allons d'abord. Je t'ai demandé de ne pas t'inquiéter, ma fille. Allons d'abord chez mon ami. Comme ça, tu entendras tout ce que tu veux entendre. Papa, tu veux dire qu'on part au village de Ebuka? Nous devons aller à Izemomwaja pour voir Ebuka immédiatement. Ne traîne pas, ma fille. Je ne veux plus jamais revenir dans ces villages. Jamais. Qu'est-ce que vous faites ici? S'il te plaît. Il a dit qu'il a une confession. Alors, essaye de m'écouter. Essaye de prêter attention à mon histoire, s'il te plaît. C'est très important pour tes origines et pour ton avenir. Deux personnes différentes ont également deux histoires distinctes. Peu importe ce que ta mère t'avait raconté, elle l'a fait pour une raison ou pour une autre. Mais je veux que tu puisses écouter ma part de choses. Peu importe l'endroit où tu te trouverais, elle sait que ma part et la vérité. Alors, s'il te plaît, écoute-moi. Tu n'as rien à me dire. Tout ce que ma mère m'a dit sur toi, c'est la vérité. Ebuka, s'il te plaît. Pardon, Ebuka. Tu n'as pas un cœur si dur. Calme-toi et écoute ce que papa a à dire. S'il te plaît, je t'en prie. Il est de notre coutume. Quand on veut dire une vérité de ce genre, d'enlever les chaussures. Alors, premièrement, laissez-moi vous demander merci de m'écouter vous parler. Ce que je suis sur le point de dire maintenant ici ne sera que la vérité, rien d'autre que la vérité. Et si je montais, que je ne sorte pas de cette parcelle vivant. Il y a 22 ans, que j'ai rencontré Ovagere à Akuna. Et elle était une très bonne femme. Et finalement, nous sommes devenus amoureux l'un de l'autre. On s'aimait
tellement de telles enseignes qu'on s'était promis de ne jamais se séparer l'un de l'autre. Notre relation avait duré plus d'une année et de ce fait, à la deuxième année, je lui avais proposé de l'épouser et elle avait accepté. Et alors, on s'était décidé de venir au village pour rencontrer nos familles. Pour tout finaliser à propos du mariage. Et nous l'avions fait. Mon père, mon oncle et moi étions venus ici. Nous avions rencontré ses parents et on nous avons discuté. Et étions d'accord sur beaucoup de choses. Enfin, on a finalisé tous les arrangements sur le mariage. Et on a fixé une date. Et tout le monde était heureux, voire ma mère. Et on est enfin rentré à la maison. Et 3 jours avant la date prévue, Ogede est venu chez mon père, pleurant. Et elle a dit que son père lui a informé qu'il était venu dans notre village pour se renseigner sur nous. Et de cette circonstance, on lui a informé que la folie ronge notre lignée. Et donc, il a annulé le mariage. Je ne savais pas que Odageli était enceinte. Et mon fils, honnêtement, j'aime beaucoup ta maman. Et elle aussi m'aimait. Et il n'y a aucune possibilité que je puisse t'abandonner. Je ne t'avais pas abandonné. Ça, c'est impossible. Je suis vraiment conscient qu'elle a dit ce qu'elle pouvait dire. Et elle aurait manigancé ses faits selon elle. Juste pour te protéger. Parce qu'elle ne voulait certainement pas que tu sois affecté par la folie de notre famille. Et c'est pourquoi tu apparais toujours dans mes rêves. Agissant comme mon père. Mais montrant la bonne direction, le chemin que je devrais suivre. Et même avant que je rencontre Ozuma. Hein? Maman. Pourquoi m'as-tu fait haïr un homme qui t'a tant aimé? Pourquoi? Oui, je sais que tu m'as aimé. Et tu m'avais menti juste pour me protéger. Je t'aime, maman. Je t'aime énormément. Je t'aime, maman. Ongengwen. Ongengwen Diafozo. Mon miroir. Telle est la façon que je t'ai toujours appelé. Je t'aime de tout mon cœur. Je voudrais vraiment passer le reste de ma vie avec toi. Je ne t'ai jamais haï et tu le sais. Tu peux nous voir maintenant. Et tu nous regardes. Et c'est qui a fait que ton père puisse annuler notre mariage a été résolu. Nous sommes libres maintenant. Ma famille tout entière est libre. Notre fils est sain et sauf. Je t'aime, ma femme. Et Lucas, je suis bénie de t'avoir comme frère.